dans quelque lieu qu'elle eût été. C'est là que se trouvait l'Éden. Au départ, j'ai pensé qu'elle parlait trop. Mais aujourd'hui, je serais le plus triste des hommes si cette voix devenait silencieuse et disparaissait de mon existence. Lorsque je me pose la question « Pourquoi je l'aime ?», je m'aperçois que je ne sais pas, ni ne me soucie guère de savoir, à vrai dire. J'en conclus donc que ce genre d'amour n'est pas le résultat du raisonnement ni des statistiques, au contraire de celui que l'on peut porter aux animaux et aux reptiles. C'est un homme, je suis sûr de ne pas me tromper. C'est un homme, et il pique ma curiosité. C'est un homme, toute ma timidité s'est envolée. C'est un homme. En plus, il sait parler. La nouvelle créature m'annonce qu'elle répond au nom d'Ève. Ce qui me va très bien. Je n'y vois aucune objection. En me disant que c'est le nom avec lequel je dois l'appeler quand je veux qu'elle vienne. J'ai répondu qu'en ce cas, c'était superflu. De toute évidence, le mot m'a fait gagner le respect de la chose. Ça me dit aussi que ce n'est pas une chose, ni un ça, mais une elle. Je pense qu'il me reste encore bien des choses à apprendre. Oh, je l'espère en tout cas. Et si je m'économise et que je ne me presse pas trop, je pense qu'elles me dureront des semaines et des semaines. Oh, je l'espère en tout cas.